Konnichiwa Ganagadan, c'est Massa, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour la petite revue de Xur, où est-il et que vont-ils, donc en son week-end du 12 août. Et je suis désolé, cette vidéo va paraître un peu plus tard que d'habitude, car je me suis aperçu lors du montage qu'il n'y avait pas du tout de son suite à la dernière mise à jour de Windows qui m'a fait virer, tous les réglages que j'ai fait, donc je suis obligé de la refaire. Donc sans plus attendre, on va se rendre à la tour, car ce week-end, le Xur est à la tour. Et le temps d'arriver sur place, on voit ça ensemble. Voilà, on est à la tour, on va se rendre au hangar bien sûr. Hein. Je vais laisser volontairement, comme d'habitude, le chemin en entier pour les débutants qui débuteraient sur le jeu et qui ne sauraient pas exactement où se trouve Xur dans ces cas-là lorsqu'il est à la tour. Donc pour ma part, ça va être la deuxième fois que je vais aller le voir puisque j'en viens il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon, c'est les aléas. Donc voilà, arrivé à cet escalier-là, on va prendre celui qui est juste ici. Et puis on va avoir Xur qui va être juste en face. Donc il n'a pas plus de monde que quand je l'ai fait la première fois. Donc au niveau de l'arme, ils vont le Monte Carlo, ou la Monte Carlo, suivant comment on l'appelle. Donc c'est un fusil automatique qui va se trouver dans l'emplacement des cinétiques. Donc il a surtout la particularité, en fait, lorsque vous faites des kills avec, de remonter votre habilité de mêlée. Donc vous pouvez faire des frags de mêlée après plus rapidement. Donc c'est plutôt pas mal et c'est plutôt intéressant lorsque vous avez des contrats à faire ou des défis à faire avec des frags de mêlée. Ça va beaucoup plus vite, vous pouvez me croire là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc c'est surtout cette perque-là, en fait, qui vous permet de le faire. Hein. Donc je vous le conseille particulièrement. Au niveau du chasseur, on a les manches des mécaniseurs. Alors malheureusement, au niveau des stats, ça va pas être génial, mais donc elle s'utilise exclusivement avec des pistolets. Et en fait, lorsque vous êtes dans un état critique au niveau de la santé, si vous switchez sur un pistolet, ça permet à ce pistolet de faire beaucoup plus de dégâts qu'il en ferait en temps normal. Et pareil, hein, ça vous permet, surtout avec un chasseur, lorsque vous sautez en l'air, d'avoir une stat aérienne, donc d'acquisition, qui est beaucoup plus importante que d'habitude. Et comme on peut le voir, malheureusement pour les stats, donc on a avec 18 de mobilité, ce qui est plutôt pas mal, mais le reste, donc 9 de récupération, 12 de discipline et 16 d'intelligence pour un total de 59. Le 59 est quand même un peu bas, il pourrait convenir aux débutants bien sûr. Donc si vous ne l'avez pas, je vous conseille de l'acheter au moins pour la collection, ça vous permettra de le débloquer et de pouvoir le looter avec des bien meilleures stats par la suite. Au niveau du titan, nous avons les boucliers dentés. Alors les boucliers dentés s'utilisent exclusivement en PVP, même si on pourrait les utiliser éventuellement en PVE. En fait, ça permet de renvoyer des projectiles que vous tirent vos ennemis. Donc ça peut être plutôt intéressant. Par contre, malheureusement, on l'a encore avec des stats très très basses. Donc on l'a avec 13 de mobilité, ce qui est plutôt pas mal, puisque ça va permettre, lorsque vous faites une glissade, de renvoyer des projectiles. On l'a avec 13 de récupération, 18 de discipline, mais malheureusement pour un total de 57. Donc comme les bras du chasseur, hein, je vous conseille de les acheter si vous ne l'avez pas pour les débloquer. Vous pourrez les utiliser dans de bien meilleures conditions en les reloutant par la suite. Je pense que vous les aurez avec des stats supérieurs. Et enfin, au niveau de l'arcaniste, on a le protocole du phénix. Alors le protocole du phénix s'utilise avec la doctrine solaire. Et en fait, lorsque vous déclenchez votre doctrine radiance, donc la grosse radiance, ça vous permet de récupérer de l'énergie de super lorsque vous faites des kills à l'intérieur et surtout lorsque vos alliés font également des kills à l'intérieur, donc c'est plutôt pas mal. Malheureusement, on a avec des stats qui sont pas géniales, donc 24 de mobilité dans cette utilisation ne va servir à rien du tout. On aurait préféré éventuellement avoir de la résistance et on a 16 de d'intelligence pardon et 16 de force pour un total de 63. Donc pareil, hein, comme les deux autres, hein, achetez-les si vous n'avez pas, ça vous permettra de les débloquer, d'avoir la possibilité pardon, de les relooter avec des bien meilleures stats. Et en ce qui concerne les deux armes exotiques, donc le rapace noir, donc on l'a avec visée rapide et puis canon à canon. De toute façon, on préférera ici avoir télémètre. Donc en l'occurrence, dans ce qui est proposé, je ne vous le conseille pas particulièrement. Et enfin, on a donc le récit d'un homme mort, donc avec 4e Célabon et puis un chargeur rapide. Alors ça pourrait être éventuellement une utilisation PVE, même si de toute façon en PVE ou en PVP, on préférera ici avoir Vorpal plutôt que 4e Célabon.
Donc je ne vous conseille pas particulièrement non plus. Voilà, ça va être tout pour les armes et les armures exotiques. On a également donc l'engramme prédestiné. Donc l'engramme prédestiné vous permet d'avoir une arme ou une armure que vous n'auriez pas mais antérieure à la saison 12. Puisque depuis la saison 12, toutes les nouvelles armures ne s'obtiennent exclusivement qu'en secteur oublié en mode légende ou maîtrise. Et surtout en solo. Et donc si vous avez, je vous mettrai en petite suggestion les tutoriels que j'avais fait sur le secteur oublié. De me rester d'ailleurs le secteur de Nessos, il faudra que je le fasse, je crois qu'il est en début de semaine. Et par contre si vous avez toutes les armes et les armures, ça vous permet d'avoir une armure avec des stats aléatoires et des fois vous pouvez avoir de très bonnes surprises. Et enfin au niveau des exotiques, on a donc la quête de Xur hein, qui vous permet de récupérer un cryptage exotique. Pour ça il va falloir que vous fassiez 21 activités, que ce soit en PVE, donc avec de l'assaut, du PVP ou du gambit. Hein, vous pouvez faire un mix des trois. Et si vous avez la chance d'être dans un clan et de faire ces activités avec un membre de votre clan, ça va diviser par deux le nombre d'activités que vous allez devoir faire. Donc en gros vous allez devoir en faire 11, donc ça va être beaucoup plus rapide pour vous. Une fois que vous avez fini et finalisé vos activités, vous retournez à Xur qui va vous donner votre cryptage exotique et vous allez pouvoir l'utiliser de trois façons. La première, ça va être de pouvoir récupérer un deuxième engramme prédestiné, donc vous avez une deuxième chance d'avoir ce que vous n'avez pas ou ce que vous voulez. La deuxième utilisation, bien sûr, ça va être soit pour acheter un rapace noir ou un récit d'un homme mort. Et enfin, la troisième utilisation, ça sera au niveau de la tour, au niveau du kiosque exotique. Je vous mettrai en suggestion le tutoriel que j'avais fait. Ça va vous permettre d'acheter une arme exotique d'une ancienne quête exotique que vous n'auriez pas pu faire et c'est plutôt pas mal dans ce cas là. Voilà, ça va être tout pour la partie exotique, on va passer à la partie légendaire. Pardon. J'apporte des présents de la part des neufs. Donc les armes qui éventuellement retenu mon attention, ça serait éventuellement ce solitaire, donc c'était le pistolet du Gambit, hein, du Gambit Prestige d'ailleurs. Donc avec hors la loi et premier tir, donc avec munitions de gros calibre qui sera plutôt utilisé parce que c'est plus une orientation PVP dans ce cas-là, même si on peut avoir bien mieux, il peut être utilisable. La carabine de 7ème Séraphin automatique, je vous la déconseille, dans les perks qui sont proposés, c'est vraiment pas génial du tout, même éventuellement pour du PVP, on peut avoir bien mieux que ça. Par contre au niveau du fusil impulsion, alors c'est pas le gold roll, hein, loin de là, puisque on peut avoir bien mieux, mais on a quand même intensification et visée rapide qui peut être pas mal pour du PVP. Au niveau de console ou PC, frein tête de flèche vous permettra d'avoir un maximum de contrôle du recul et puis vous avez une augmentation du maniement, ce qui est plutôt pas mal. Alors ici on aurait préféré avoir d'autres perks bien sûr pour pouvoir avoir une meilleure arme. On aurait pu avoir éventuellement cible mouvante et chargeur multimortel qui est bien meilleur. Et pour finir, pardon, j'ai oublié, on a une pièce maîtresse de portée ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est pas le gold round mais vous pouvez le tester dans la configuration actuelle, elle est pas trop mal à mon sens. Au niveau du pompe travail et tracas, je vous le déconseille, hein, dans la configuration qui est proposée vous avez aucune perc qui vous permet d'accentuer les dégâts, surtout en PVE, donc c'est pas la peine. Au niveau du lance-grenade, donc le diseur de vérité, alors on a un lance-grenade là qui est plutôt atypique dans les perks qui sont proposés, donc avec pilleur du tombe et rupture perturbante. Alors c'est pas le goal roll loin de là, mais ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Par contre, ça sera vraiment très situationnel. Mais vous avez la chance d'avoir à la fois grenade à pointe et grenade aveuglante par contre et grenade à pointe. Et vous avez un bon lanceur donc avec tir brut. Donc vous voyez, si vous prenez grenade à pointe, ça vous fait votre rayon de souffle qui est pratiquement au maximum et vous avez une pièce maîtresse de maniement. Alors c'est vraiment très situationnel mais il peut être pas trop mal. Au niveau du lance-grenade lourd, l'interférence 6, par contre là malheureusement on n'a pas des perks sur cette colonne là qui sont géniales, donc je vous conseille pas particulièrement. Et enfin au niveau du fusil impulsion donc, qui était obtenable chez Shax, on a quelque chose qui sera de toute façon plus avec une orientation PVP, donc avec saisie éclair et puis condensateur élémentaire qui vous permet, vous voyez, d'accentuer certaines stats en fonction de la doctrine que vous allez utiliser. Faites pas attention, hein, là c'est des changements parce que j'ai pas mal de rangs de passer au niveau de Shax, donc ça me permet d'avoir des perks supplémentaires, mais ce qui est proposé c'est de toute façon saisie éclair et puis condensateur élémentaire. Donc c'est pas le gold roll loin de là, hein, mais éventuellement si vous voulez le tester, pourquoi pas, mais on peut avoir bien mieux. Voilà, ça va être tout pour les armes, on va bien sûr passer aux armures.
Et en ce qui concerne l'Arcanis, il y a deux pièces, mais qui sont quand même assez faibles. Mais les deux meilleures pièces, ça resterait donc ses bras avec 16 de résistance, 19 de discipline pour un total de 60. Et éventuellement ce casque avec 17 de résistance et 19 de force pour un total de 60. Le 60 est quand même assez bas et les stats aussi, ça sera plus réservé à des débutants bien sûr. Par contre, pour la petite information, si vous voulez récupérer les skins, vous avez les skins de la Lune. Hein, donc c'est la planète qui est dans le vote à l'heure actuelle et qui a disparu. Donc c'est très rare, à part chez Xur, vous ne pouvez plus les obtenir. Donc si vous ne les avez pas eu avant, c'est l'occasion ou jamais. On va bien sûr passer au Titan. Et donc au niveau du Titan, la meilleure pièce, hein, ça resterait donc ce casque donc, avec 23 d'intelligence pour un total de 61. Mais par contre, ce sera également réservé aux débutants parce qu'on peut avoir bien mieux. Même si on a de la résistance avec 7 de résistance et 12 de récupération. Mais c'est quand même assez faible au niveau du reste des stats. Éventuellement, vous pourriez avoir ces bottes. Mais vous voyez, elles sont vraiment encore très très basses. La meilleure pièce, ça reste ce casque. Et on va finir avec le chasseur. Et donc au niveau du chasseur, les deux meilleures pièces qui sont proposées, hein, ça serait donc ce torse. Donc avec 30 de résistance, 13 de discipline et 14 d'intelligence pour un total de 63. Et éventuellement ses bottes, donc avec 30 de récupération, 9 de discipline et 18 d'intelligence pour un total de 63. Alors vous avez vu, la mobilité est au minimum, mais ce serait pour éventuellement compléter l'un de vos sets si vous avez besoin de résistance et si vous avez besoin de récupération. Voilà, ça va être tout pour la petite revue de Xur, où est-il et que vont-ils, donc en ce week-end du 12 août. Je suis vraiment désolé du contretemps, hein, donc de la parution plus tardive de cette vidéo, mais j'ai été obligé de la refaire suite aux réglages son qui ont sauté avec une mise à jour de Windows. Voilà, on va en rester là pour cette petite revue. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, toutes les personnes qui ont pris le temps de la regarder. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, gardiens et gardiens, je vous dis sayonara et prenez bien soin de votre spectre.